Si cette seule chose, chacun l'établit en soi-même, nous allons utiliser ce mental au mieux de ses capacités. Sans une personnalité, vous ne pouvez pas fonctionner dans le monde. Mais vous n'avez pas à être coincé avec une seule personnalité. Quand vous la portez consciemment, elle est là pour remplir sa fonction. Mais vous ne devenez pas cette personnalité. De l'information partout de nos jours, et tout le monde n'est qu'à une seconde de l'information, et on est débordé d'informations partout. Donc comment façonner notre propre personnalité individuelle et préserver notre individualité? Y a-t-il un équilibre entre s'adapter aux changements de notre époque et rester fidèle à soi-même? Comment s'y prendre? Voyez, quand vous dites personnalité individuelle, voyez, le mot « personnalité » vient de la racine « persona ». Persona veut dire un masque que vous portez. Pour remplir un certain type de fonction, vous devez porter un certain masque. Maintenant, vous êtes une sportive, quand vous êtes sur le terrain, vous avez un certain type de masque qui est nécessaire. Ce masque doit être agressif pour faire peur à votre adversaire si nécessaire. Peu importe, vous devez porter ce genre de masque. Vous ne portez pas ce masque à la maison. Vous ne portez pas ce masque avec vos amis. Parce que ce masque, par définition, vous devez pouvoir le mettre par choix et l'enlever. À l'heure du virus, tout le monde est masqué, pas le choix. C'est un autre genre de masque. Mais c'est ce que personnalité veut dire. Pour réaliser différents types d'activités, on doit se structurer d'une certaine manière. Mais ce qui se passe au fil du temps, c'est qu'avant leurs 30-35 ans, les gens sont coincés avec un seul masque. Ils ne sont pas capables de l'enlever, ils sont partout pareils. Là, ça va devenir une expérience douloureuse. Si vous regardez entre un enfant, n'importe qui, quel que soit leur âge aujourd'hui, quand ils avaient 5-6 ans, si vous regardez, leurs visages étaient tous comme ça, tout sourire, souriant, vous ne pouvez pas les empêcher de sourire. Mais peu à peu, il devient très grave et long. Simplement parce qu'ils sont coincés dans leur propre personnalité. Ils ont mis un masque et ils ne peuvent pas l'enlever, il est collé en permanence. Donc, nous n'avons pas à cristalliser notre personnalité. Il est très important de maintenir notre personnalité très souple. Pour réaliser différents types d'activités, on doit être capable de porter différents types de masques. Sans un masque, vous ne pouvez pas travailler. Sans une personnalité, vous ne pouvez pas fonctionner dans le monde, ça c'est sûr. Oui. Mais vous n'avez pas à rester coincé avec une seule persona. Vous pouvez être une personne différente. Selon ce que la situation requiert, vous pouvez être ce genre de personne. C'est à ce moment-là que vous arriverez à vous exprimer pleinement. Autrement, vous allez rester coincé dans une structure que vous avez créée. C'est une prison que vous construisez dans laquelle vous restez coincé. Si quelqu'un vous emprisonne, c'est malheureux, mais compréhensible. Mais si vous vous emprisonnez, il n'y a rien de plus stupide que ça. Mais c'est ce qui arrive à 90% de l'humanité la plupart du temps. Mais j'aimerais aussi poser cette question tant qu'on parle de masque. J'ai l'impression que ce n'est pas seulement vis-à-vis de soi-même. Je sais qu'on veut être heureux, on veut faire tomber les masques, rester heureux, mais ça dépend aussi de l'autre personne à qui tu parles ou envers qui tu réagis. Donc, tu vois, à ce moment-là, ton masque est de nouveau en place. Alors que faire dans ce cas-là? Comme par exemple, tu parles à quelqu'un que tu n'aimes pas, tu dois agir en fonction de ce qu'il dit, tu te dis « bon d'accord, voilà ce qu'il a dit » et tu dois faire semblant et être gentil avec lui. Donc comment réagir à cela? Voyez, le masque... Parce que ça arrive souvent, et à tout le monde, j'en suis sûr. Dites-moi, dites-moi, qui est ce mec d'abord? Non, non, non! Ça va faire la une dans le pays. Non, 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 non. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec beaucoup de gens, tu vois, quand tu parles à un ami, parfois on peut être en colère contre lui, parfois on peut ne pas aimer ce qu'il fait, par exemple. Ton meilleur ami fait quelque chose et peut-être que ça ne te plaît pas. Mais ensuite on se dit, bon, c'est pas grave, laisse tomber. Mais on ne peut pas leur dire en face en disant, ça ne m'a pas plu, ne fais pas ça. Ça pourrait les offenser, c'est ça que je veux dire. Je leur dis en face, la plupart du temps.
parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu vois, tu parles à un ami ou à quelqu'un, tu sens bien qu'ils ont tort, mais tu hésites à leur dire. Parfois, je ne peux pas le dire, ou tu vois, il y a beaucoup de gens à qui on ne peut pas le dire en face. Voyez, Sindhu, le truc, c'est que la question, ce n'est pas que les gens ont raison ou tort. C'est juste que chaque être humain agit et vit et comprend la vie selon sa compréhension et son intelligence. Tout le monde ne peut pas percevoir la vie et comprendre la vie dans la même mesure. Si vous voyez que les gens sont comme ils sont à cause des limitations qui sont là, vous vous efforceriez de voir comment les aider à briser leurs limitations, plutôt que de porter un jugement. Ils ont raison, tort, bon, mauvais, toutes ces choses. Il y a différents types de personnes. Tout ce que tout le monde fait, ça n'a pas forcément à vous plaire ou à me plaire, ce n'est pas le cas. Mais on n'a pas besoin de... Si vous portez un masque pour remplir une certaine fonction, vous êtes toujours qui vous êtes derrière le masque. Mais maintenant, le problème, c'est que le masque est tellement plaqué sur votre visage que vous ne pouvez pas distinguer ce qui est le masque et ce qui est moi. Donc quand je parle de masque ou de persona, ce que ça veut dire, c'est que vous le portez consciemment. Quand vous le portez consciemment, il est là. Il est là pour la fonction. Mais vous ne devenez pas ce masque. Voyez, quand je dis « vous ne devenez pas ce masque », là maintenant, vous êtes une grande fille, j'ai vu que sur tous les podiums où vous êtes plus grande que tout le monde. Donc, vous n'êtes pas né comme ça, vous êtes né juste comme ça. Et maintenant, vous êtes devenu comme ça. C'est juste une accumulation. Le corps est juste une accumulation. De même, ce que vous appelez mon mental, mes pensées, mes émotions, sont des accumulations. Ce que l'on accumule nous appartient, ne peut pas être nous, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas nous. En ce moment, ce vêtement, il peut m'appartenir, mais il ne peut pas être moi. De même pour le corps, de même pour les structures du mental. Si nous devenons conscients de cela, ce qui est moi et ce qui n'est pas moi, si cette seule chose chacun la règle en soi, s'ils en sont conscients, tout cela n'est pas un problème. On va utiliser ce corps, on va utiliser ce mental au mieux de leurs capacités, et c'est tout. En particulier pour vous en tant que sportive. Utilisez votre corps et votre mental au mieux de leurs capacités et tout ce qui compte au final. Donc là, maintenant, vous avez dû le remarquer vous-même, comme tout être humain a dû le remarquer dans son activité quotidienne. Comme vous êtes une sportive, je le dis pour vous, parce que la conséquence du fait que vous ne fonctionnez pas au mieux est immédiatement présente. Pour d'autres, s'ils font quelque chose de travers aujourd'hui, ça peut prendre 2 ans avant que les résultats ne leur parviennent. Pour vous, c'est immédiat. Il y a une mauvaise frappe immédiatement si vous ne fonctionnez pas bien à cet instant. Donc, de ce fait, c'est bien plus facile pour vous de le remarquer. Combien de fois dans votre vie, vos propres pensées, vos propres émotions, vos propres idées et opinions deviennent un obstacle à votre fonctionnement? Donc, dans le monde, il y a beaucoup de défis. En ce moment, nous sommes dans une période très délicate, d'accord? Mais vous-même, vos propres facultés, vos propres pensées, vos propres émotions, votre propre fonctionnement corporel ne doivent pas devenir un obstacle dans votre vie. C'est la chose la plus importante que chaque être humain devrait faire. Ce que le monde va nous permettre de faire ou pas, on ne le sait pas, ça dépend de l'époque dans laquelle on se trouve. Voyez aujourd'hui, comme vous êtes au 21e siècle, vous maniez une raquette. Mais probablement que si vous étiez ici il y a 1000 ans, vous seriez en train de manier une épée ou autre chose, vous savez. Ce que je dis, c'est que c'est l'époque qui nous permet de faire ce qu'on fait. Donc, en ce moment, tout comme il y a des possibilités, il y a des défis. Là-dedans, si un être humain individuel, vous savez, est ici, sans faire de son corps, de ses pensées, de ses émotions, de ses énergies, un défi en soi, si vous éliminez juste ce seul défi, dans votre vie, vous allez fonctionner au meilleur de vous-même. Votre meilleur sera-t-il le meilleur au monde? On ne sait pas. Cela est soumis à diverses réalités. Mais la chose importante, c'est que je sois le meilleur au monde ou pas, n'est pas important. Vous êtes toujours au meilleur de vous-même. Vous n'êtes jamais un obstacle pour vous-même. Les autres barrières dans le monde, on devra les franchir.